Hey, salut tout le monde, on est à la WhatsApp Geek. C'est Tsukio qui vous parle. Ouah, j'ai vraiment craqué mes mains en plus. Ah, ils ont dû trop entendre. Je vais te voir la tête Ah, des tiens, gosses. moi. Et j'ai avec Molozor, ici présente. Ça va, Molozor, ou quoi? On dirait des éponges. Et il y a aussi ta épouse qui est au platine qui va pas tarder à nous rejoindre. What? Alors, comme je vous rappelle, à partir de maintenant, WhatsApp Geek commence avec tout le monde le matin et on et essaie termine de. Avec personne. Ouais, termine avec personne parce qu'on est tous malades. Non. Et donc, les amis, on essaye tout. Et mais ça sent trop fort en plus. Tous les matins, on essaye on de. On dirait vraiment une éponge, ah, ouais. Les éponges J'avoue. Et en fait, tous les matins, les amis, on essaie tout simplement de tester des petits déj un petit peu différents, des gâteaux qu'on trouve ici en Angleterre, pas forcément en France, etc. Ça, c'est sûr que tu trouves pas. J'avoue que j'ai fait fort ce matin, j'ai trouvé un truc complètement what the fuck. Attends, je vais leur montrer en gros. Et mais je pensais pas que c'était comme ça. Hein. Je pense pas que c'était comme gens, ça. Si vous avez déjà trouvé des trucs comme ça. Et c'est une éponge, le bordel. Oh my god. Une nouvelle éponge spontanée. Et mais c'est horrible, regardez ça! Et je viens de prendre un petit bout. L'odeur! Et je viens de prendre un petit bout, mais je te jure, c'est de l'éponge. Ça se mange pas, c'est pas possible. OMG. Mais l'odeur, ça sent un peu la gaufre. Bah, c'est du marshmallow, non? Mais non, même pas. C'est super chelou. Bon, je goûterai tout à l'heure bien comme il faut. Mais en plus, sur la masse, c'est pour. Il y a deux couches, enfin bref. Tape, yes. Ça va bien ou quoi? Ouais, j'ai Il y a un peu beaucoup de sucre. La scène in-game. Tu peux prendre la manette. Ah, enfin, tu veux dire le nouveau truc qu'on a? Ouais, ouais, tu peux prendre la manette, elle est juste à côté de toi. Ok, très bien. Les amis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va vous faire gagner. Shit. On va vous faire gagner. Deux. Regarde bien sur l'IRC, d'ailleurs, je sais pas, je vais regarder sur l'IRC moi aussi. Si le son du jeu est pas trop fort et tout, la dernière fois, on nous disait souvent que le jeu était trop fort. Non, la dernière fois, on nous disait ça, donc c'est ton jamais. Je vais le chercher aussi. Alors, ça se mange ou pas? La vérité, la stricte vérité, mon hasard. Bah écoute. Ça se mange. Ça va. Je suis sûr que ça se mange. Si elle dit ça va, c'est marshmallow bon. En éponge en fait. Mais le truc, c'est qu'on dirait que la gaufre est rassie en fait. Mais. Encore maintenant, trop fort là? Non, mais ils l'ont pas dit, j'étais juste au cas où. Non, je dis sur le chat. Ah, ok. Mais t'entends pas, si. Mais si, un peu vite, je pense. Non, mais la vérité. C'est bizarre. En fait, ça sent le manger. Mais c'est pas. Ça, t'as l'impression de manger du carton. Mais c'est ça, je l'avoue. La vérité, la grosse. Entre la. Peut-être régler la cam pour la baisser un peu, t'en penses quoi? Ah ouais, pourquoi? Ouais, non, c'est bon, t'inquiète, on est. Au pire, on monte comme ça. Ah oui, voilà. Ouais, en fait, si vous voulez, les amis. Oh, mais ça. Regarde comme ça se décolle trop easy, quoi. Mais c'est de la patex, en fait. C'est de la colle. En fait, la gaufre, on dirait du carton. No kidding, on dirait du carton. Et ça, on dirait la mousse. Là, je pensais que c'était de la crème, mais on dirait. Mais regardez, de toute façon, c'est simple. Est-ce qu'on fait ça normalement avec une gaufre? Regardez le truc. Eh, mais la vérité, je vais. Maintenant, je nettoie la table avec. Voilà, c'est mon éponge. Non, mais. Please. Et regardez comme c'est élastique. Oh my god. Attends, est-ce qu'on peut faire un double étage de gaufre? Oh oui, il faut trop tester. Oh, attendez, on va faire un truc. Bon, de toute façon, on a acheté ça pour tester. Attendez, on va faire un Transformers. Yeah. Oh merde, on s'en fout. Alors. Ah le bon. Bon, aujourd'hui, ce matin, donc, les amis, attends, on va faire un rappel quand même. Vous n'avez pas le droit de jouer avec la nourriture, la maison. C'est vrai. Allez, t'as plu. Oh, mais regarde comment ça colle trop bien. Regarde. Oh mais c'est bon, c'est trop tard, c'est soudé. Fusion. Oh merde. Merde, j'en fous partout. Mais. Et mais c'est chaud. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Justement là, ça me fait vraiment penser à une éponge. C'est dire le côté grattoir et. Mais oui. Attends, vas-y, prends-la en photo pour Twitter. Oh my vas-y, god. Vas-y, je vais tout de suite. La tête. Oh my god. Ceci est une éponge. Bon, tu t'en sors alors, du coup, ça va? Apparemment la qualité est méga dégueu, donc je vais relancer le stream. Ah ouais? Ok, très bien. Est-ce que ça tourne la photo au moins? Ouais. Est-ce que je te mets un filtre et tout de beau gosse? Un filtre de beau gosse. Ouais. Sauf qu'il y en a pas, il y a trois filtres. Eh, le filtre 1963. What? En gros, si tu veux, la qualité changeait pas, qu'il mettait en 720p, mon machin, etc. Ok. Des fois, ça le fait sur DM. Ah, donc tu vois juste que tu relances le flux en fait? Ouais, normalement, ça devrait être bon. Ok, très bien. Ok, c'est nickel. Non. Ah ouais? Ah, c'est nice ça! C'est ouais, nice! Alors. Mais qu'est-ce que tu fais?
Je tente de faire une construction. Mais c'est vrai, je jouais pas avec la nourriture et tout. Je jouais pas avec la nourriture, c'est pas cool. Ça se mange pas, ça. Alors on dirait une couche. Moi, tous les matins, au petit déjeuner, je mange des éponges. Attends, photo. Attends. Mais je peux pas. Je peux même pas assez ouvrir ma tête pour ça. Ceci. Ma bouche. Est censé être un petit être une gaufre. Une gaufre. Une gaufrette même. Gaufrette. Bon, tu joues de ce qui est. Allez, attends. Toi, tu vas te chercher un café là, c'est ça? Ouais, je vais aller chercher un café. Et tu sais quoi? Je dis bonjour à la caméra. Bonjour les gens. Yo. Moi j'ai une question, ta épouse. Dis-moi. Alors déjà je vais tourner ça ici. J'ai une question. Ça a l'air bien dégueulasse. Et mais elle goûte une. Non, ça me... non mais comme ça tu fais juste. Ah. Oh, pour le beau jeu. Déjà, juste un croc. Ouais, mais qui va le manger après ça reste là. Mais non mais ça va, c'est moi qui les ai achetés, on va se calmer. Allez, ton avis. Ça passe, mais. T'as pas l'impression que c'est. Non, la texture est chelou, on est d'accord. On dirait de la limace un peu. Non, t'as déjà mangé de la limace? Ah, tous les soirs, c'est très bon. Ah, mais je vais faire une rime de ouf. J'écris ceci, elle est censée être une gaufrette qui ressemble à une Spontex. Très bien. C'est pas une rime, hein. C'est pas une gaufrette. Mais Spontex, gaufrette, ça passe. Oui, c'est une rime genre de rappeur du 9-2, quoi. Je suis du 9-2, ok? Ça, c'était du maître Gims. Ouais, mais non, c'est exactement ça. Oh, vous emmerde. Le mec fait des rimes qui n'existent pas. Oui, moi j'ai une question, Tape. Dis-moi, quand tu vas chercher ton café, tu vas chercher un café ou tu utilises une cafetière? Ou est-ce que tu vas le chercher au Maroc? Parce que si tu utilises une cafetière, est-ce que je peux en avoir un? Ah, genre, est-ce que tu peux amener la cafetière? Oh, tu mets des dosettes? Ouais. Tu les achètes où? Bah, normalement, tu les achètes au... C'est vrai? Chez Gupsa, ils les commandent et ils prennent une commande de groupe, etc. Quoi. Ça pète, ça? Yes. Okay, d'accord. Très bien. Bon. Voilà. Les amis, j'arrive à toutes. Je vous laisse en compagnie de notre équipe. Voilà, je vais Bon. Donc, amusez-vous bien. Tsukio commence le jeu. Attends. Mais attends, commence pas à manger. Laisse pas prendre une photo. Oh, j'ai goûté vite. Attends, bon, il est là. Non, tu as... Attends, bon, on va lancer le jeu, sinon ça va péter. Avec la tête de ce côté. Les gens vont péter un câble. Alors. Est-ce que vous voulez une gaufrette, madame? Croix. Très bien. Donc il faut que je fasse continuer. On était à... Voilà, on était là. J'étais à Amsterdam. Ah, c'est trop cool. J'avais même pas fait gaffe. Et au final, donc les amis, on est sur Assassin's Creed 4, ouais, le 4, ouais, ouais. Black Flag. Bon, tu le reprends, je te prends photo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Molosor Black Flag en anglais, en français du coup? Drapeau noir. Oh. Attends. Tu aimes... Attends, j'appelle le seul truc du film. Là, voilà. Alors. Elle est floue, genre. Alors, je peux faire un teubé. C'est bon. Alors, donc là, les amis, pour les personnes qui n'étaient pas là sur le premier épisode Next Gen de What's Up Geek, on a à peine joué, enfin c'est faux, on a joué pendant une heure à Assassin's Creed 4. Vous avez fait, on a fait 10 minutes de jeu. on a joué 10 minutes, quoi. Parce qu'en fait, t'épouse était assez nul, il a eu la manette pendant 40 minutes, il n'a rien fait, c'est il est vrai, tombé. Je suis d'accord. Et du coup, en fait, voilà, on est dans Assassin's Creed 4 Black Flag, on est sur PS4 hein, comme plateforme, comme support. Et 100 000 lentilles, je vois que dalle en fait. Genre, je vois pas ce qui est écrit et je pense que c'est pire pour toi. Je te dirais bien, je te prête. Non, j'arrive. Ce bâtiment existe depuis environ. J'ai pas le temps de lire, connasse. Ah, donc toi, tu les as mis les tiennes. Ou t'arrives à lire 100? T'es fort. Tu mates son. Non, même pas plus maintenant. Enfin, vite fait. Ouais, vite fait. Non, pas ouf. On a mieux ici. Elle est pas très belle. Non. Et lui là? Voilà, donc moi, ce que je disais la dernière fois, il y a eu un débat qui était ouvert et ça me dérange pas du tout de le rouvrir aujourd'hui. Ce jeu est très mal fait. Ce jeu est très mal fait. Bah, les visages des personnes là en animation sont pas très jugés. Donc l'histoire de... Après moi j'y connais rien. Donc, Assassin's Creed, est-ce que tu connais l'histoire d'Assassin's Creed? Absolument pas, je n'ai jamais joué. En gros, t'es un mec qui arrive à revivre le passé de ses ancêtres, de tes ancêtres, via une machine qui s'appelle l'Animus. Il me semble que c'est ça, parce que moi j'y joue un au 2 et au 2,5. Ok. Tiens.
Et donc ses ancêtres en fait c'était une lignée d'assassins, blablabla, et voilà. Mais peut-être que dans le 4 c'est pas cette histoire, hein. Autant j'ai de la merde, hein. Ça c'est la continuité en général des Assassin's Creed. Tiens, je te note. Je connais pas l'histoire du 4 puisqu'on le découvre ensemble au final. Alors t'as fait quoi toi ce week-end ou deux heures? T'as bougé un peu? On était censé aller à Londres et on n'y est pas allé. T'es pas parti à Londres? Non. On a dormi jusqu'à 14h comme des merdames, n'est-ce pas? Très bien. Donc du coup on est resté à la maison. Enfin à l'appart. Comme une tarde. Attends, la gaufre pour les hommes. Ouais, ce qu'il faut là. Qu'est-ce qu'il me raconte? À toi l'honneur, studio de l'échantillon lycée. Niveau 2. Niveau 2. Je vais appuyer quelque part. Je ne sais pas. Il est tellement bien. Ah, il y a un téléphone sur moi. Voilà. Alors, les gens, j'ai posté deux photos. Si vous voulez rigoler. Donc, allez-y. Venez. Oula! Mais c'est moi, je t'ai noté dedans. Ah, ça va. Attends, bah, moi, je vais goûter cette chose. Ils ont dû pleurer sur. Pas de téléphone sur la table, par contre. Ouais, ouais. Tu vas mettre sur la table à côté de toi le téléphone. Non, non mais c'est bon, j'arrive. Du coup, t'avais pu revenir avec son petit café? Yep, il y avait l'autotune, donc j'enlève. Ah ouais? Oh, très bien, donc ça va te faire pleurer des gens. Ouais, il y a des gens. Ils ont pas l'air vraiment meilleurs. Oh là là, c'est une catastrophe! Oh bon, il y a une pub! Oh, mais l'argent! Non! Blablabla, sinon sur l'IRC, il n'y a pas trop de problèmes, ça va? Je regarde. Personne sur les amis, est-ce que le stream fonctionne nickel? Dites-moi tout là maintenant. Après, je ne regarde plus le chat. Donc, elle est en train de vous dire est-ce que le stream fonctionne nickel? Traduction. Après, il ne regardera plus l'IRC. Ah ouais? Mais de loin, peut-être alors. Ouais, on dit nickel, tout ça. Nickel, nice. Merci, Wartiti31. Ah, bah, t'étais kit que. Désolé pour toi. Meurs, Titi. C'est pas bon, mais pas bon du tout. Ça va, c'est beau quand même, hein, comme endroit. Il est mort? Ah non, il n'y avait pas un truc. Ça a l'air passionnant ce jeu. Non, mais c'est vrai que le jeu est un peu long. Hein. Le jeu est fini à la pisse. Mais bien sûr que oui. Tu regardes comment ce jeu est mal fait, mec. Ce jeu est trop mal fait. Je vais énerver les viewers là. Non, arrête, stop. Mais t'as pas d'épée pour me. Stop. Je peux la chercher. Pour j'ai un flight. Extincteur là-bas. Oula. Ah ouais, c'est vrai. Je vais le chercher, tu te tais. Alors. Dites donc. Bon, je suis où? Je suis dans mon attendez, bureau. Attendez, je. Là, j'étais sur le chat IRC de Monarch hier soir, quand il avait son live. Je sais pas si tu suis un peu Monarch, toi. Pas du tout, mais c'est en général une heure où je dors en fait. Ouais, bah moi je dormais pas, je me suis un peu couché à 5h du matin. Ok. Et en fait. Moi je suis passé gold hier. Bah moi j'ai fait des games hier. C'est vrai. Est-ce que t'es déjà tombé sur deux AFK en ranked? Bah ouais, j'ai vu que sur le Skype t'étais un peu en train j'ai de. J'ai pété un câble. Genre j'étais toute seule au bot. Ensuite avec Defeater, on a fait 6 games. J'ai perdu 6 games alors que moi je carriais malade. Wow. J'avais genre 8 kills. T'es quoi du coup là? J'ai toujours Silver 3, mais genre j'ai 24 points. J'étais à 75 points. Ah, je suis descendu à 24 points. Tu perds pas beaucoup alors? Si. Enfin, je suis monté à presque 90, je crois, et je suis redescendu boum à 20. Là, je suis un peu deg. Mais je perds 13 points à chaque fois. Bah, et tu sais qu'en étant Silver 3, tu te places quand même parmi les stats League of Legends. Parmi les 16%. Non, pas ce point. Bah quoi? Tu te places parmi plus de 40% sûr des joueurs. Non, mais quand je vois le niveau de Silver 3, genre il y avait. Un mec qui dit ouais, je prends Fiora top, c'est mon main et tout, j'ai 70% de ratio victoire. Ok, le mec il a terminé à 0,8. Il est terminé à 0,8 le mec. Ok. Bon, sinon, on fait du Gen Z aujourd'hui? Oui. Et t'as vu, ça va être dur de lancer. C'est vrai. C'est elle a des talons une fois de plus. C'est pas grave. Ouais, et on a fait notre game, tu sais, il y avait des lags sur les serveurs. T'as cru, c'est rigolo parce qu'il est en mode. J'ai vu un commentaire marrant sur le chat. Il s'est dit quoi? Ah ouais? Ah ouais? Je pense savoir ce que c'est en plus. Pour en revenir, vas-y, vite, parce qu'après on lit vite fait le truc. Monarch, j'ai quoi? Bah, Monarch, en fait, il demande à des viewers de les appeler pour savoir leur première fois et tout. Et genre, j'étais sur le chat. Non. Et tout le monde a masse spammé Modozor, raconte ta première fois à Modozor. Mais j'ai fait, mais non! Mais masse, hein. Enfin, genre l'IRC était rouge de Modozor.
Vous voulez tout savoir, mais c'est rendu plus 18, Monarque, c'est ça. Ton air de gloire, ça. Ton air de gloire. Alors, j'ai répondu que je n'ai pas encore 7. C'est bon, t'as réussi avec le bateau, t'es pas craché. Oh, je me rends compte que c'est vrai, on n'a pas joué au final. Parce que juste, on a pris le bateau. T'as tout à fait 2-3 kills quand même. Ouais. C'était failli t'en ramener ça. C'est vrai. Avec un mec qui a déconné avec son fusil, a déconné avec lui, il va tirer. Alors, moi, je vais faire un truc qu'on ne fait pas du tout à l'antenne normalement. Mais j'ai envie de le faire, je suis désolé. J'ai pas vu la scène, j'ai envie de la voir en fait. Je vais voir un truc sur le PC. Ce mec n'est pas net. Mourez tout le monde, il y a des meurs. Eh, tu touches pas, sinon c'est pas ta tête dans la meurs. Meurs de fille. Ah, il vient juste regarder le chat. Eh, ça t'a joué de ce pire. Moi, je touche putain, pas. Putain, c'est trop classe. T'as vu, tu kiffes ou pas? Ouais, par contre, il faudra régler un truc. Oui, il faudra faire des cadres et tout. Ouais, juste pour le jeu, à mon avis, si on faisait comme si le jeu était scotché par des rubans adhésifs, ça serait trop classe, mais tu vois. Je voulais le faire, mais j'ai pas trouvé des beaux rubans. J'avais pensé une tirette ou quoi, tu vois. Ouais, tu vois, un truc comme ça. Vas-y. Une tirette. Une braguette. Une braguette. J'arrive pas avec les braguettes. Une tirette, une braguette. Non, mais les deux sont bizarres dans la situation. Okay. Je pense qu'on dit une fermeture éclair. Moi, je dis une braguette, bref. Mais en fait, j'ai essayé justement sur Photoshop, mais c'est trop moche les braguettes sur Photoshop. Je sais pas, c'est moi, si je vais sur Google et que je tape braguette, je vais pas tomber sur ça donc. Je peux pas rajouter pas comme ça en fait. C'est un cadre. Merde, ça. Donc je prends des broches en fait pour mettre des trucs. Alors qu'il y a des broches scotch. Et alors, donc là on est sur Assassin's Creed 4, Black Flag. Et je trouve que. C'est quoi ces traces de pas? Bah après. Attends, on est. Est-ce que c'est les tiennes? Même pas. Mais d'accord, je pense que je vais en reparler vite fait. On va ouvrir le débat 10 secondes. J'avoue qu'une fois que maintenant je suis en jeu, que je quitte le bateau, que je rentre dans cette ville, je trouve que le jeu est toujours très moche. Voilà, c'est tout. Je voulais juste le dire. Le jeu est très laid pour un jeu qui est sorti en fin 2013. Meilleur le jeu, meilleur les développeurs. Est-ce que tu peux les taper les gens? Il y a ces deux mecs à deux. C'est scandaleux. C'est dégueulasse. C'est quoi ça? C'est alors, des. Par contre, Tsukiyo, on est d'accord que tu dois manger ça après. Ouais, t'inquiète. Ah bah non, on va faire un truc. Le défi, enfin le challenge, mais... c'est là qu'il perd à manger ça. Attends, mais. Non, y'a pas de ça. Mais... il va crever, moi non plus. Et attends. Y'a une meuf, elle te. T'as vu ça? Hey. Alors. Mets-toi derrière elle. Alors. Vas-y, mais mets-toi derrière elle. Alors, Jean-Luc. Alors, Bernard. Ah, je suis content qu'il y ait des vides et tout ça comme dans les autres parce que là je me dis, ouais, c'est trop lourd. Trop de bateaux. Ça me fait penser au Brésil un peu, cette ville. Parce qu'actuellement le Brésil est comme ça. Le troll gratuit. Oui, donc vas-y, Tape, t'as fait quoi toi ce week-end? Je suis sorti vendredi soir. C'est vrai? Ah ben si, je sais, vous avez été, il y avait d'autres gens aussi. C'est pour l'anniversaire de... Moi je me suis... C'est scandaleux, quoi. Ah ouais? Ah ouais, j'ai même, pour te dire, j'ai même perdu mon mobile et tout. Mais ton ça quoi? Va, apparemment on l'a retrouvé. Ton mobile? Ah, ouais. Téléphone. Ton GSM, tu veux dire? Quelqu'un l'a retrouvé, donc ça va, content. J'ai récupéré tout à l'heure. Et ouais, par contre là, tu seras à gauche. Non, j'ai perdu parce que je me suis éloigné du gars, je pense. Non, c'est surtout qu'en fait, t'es resté pendant 10 minutes là et du coup, t'as largué, quoi, non? Ouais, c'est ça! Et ouais, sinon, ça me dit ce que j'ai fait. Dimanche, je suis monté rentrer sur Hearthstone. Ouais. Machine, mais j'ai fait 5 matchs, mais j'ai fait 5 wins, du coup, ma c'est pas. Samedi, bah, j'ai fait les courses et vive le foot, quoi. Ah, vive le foot, moi j'étais là. Parce que j'étais passé prendre le badge et les clés. Est-ce que tu as acheté ces chaussures il n'y a pas longtemps? Je t'ai jamais vu avec et elles sont. Il y a moins d'une semaine. Ouais, elles pètent aux yeux. Hein. T'épouse a des chaussures très rouges. C'est quoi? Ça fait velours rouge en fait. C'est très spécial. C'est pas vraiment du rouge. C'est du Bordeaux, c'est ça? Et les vieux, mon taipou. Ouais, bah vas-y, au pire, montre la couleur de tes cheveux. La chaise est rouge, ça c'est une sorte de. Ah, vous voyez, elles sont belles, elles sont bien rouges. Ouais, c'est belle. Je sais bien. Le troll. Enfin, voilà, donc aujourd'hui, les amis, on va faire du Judge Dance. Du What's Up Geek. On va tester, je pense que. Ce qui serait bien, c'est une sorte de GTA là-dedans. Le truc qui serait bien, c'est que tu coupes pas la parole à Tsukiyo, toi, quand il parle. Ça serait bien. Je connais pas. Je coupe bien. Ah, les gens vont se battre sur la plateforme. Oui. Mais la coupe, je sais. Je l'ai dit quand on l'a. Je l'ai dit quand on l'a. Je dis pas une chienne. What the fuck.
What? On a besoin. Nous, on est tous là avec un filtre devant la bouche pour pas dire tout ce qu'il faut pas dire, mais elle est là-bas. Je suis sur le chat là, je suis en train de. Merde. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il écrit quoi là pour parler? Le mec il va encore te larguer. Ouais. Mais non, il est là. Ah, il est là, salut. Bah, lui, il est cool. Mais il faut que j'appuie sur quoi? Bah, il y a rond, commencer. Ah, c'est rond, d'accord. Je vois pas, mec. Ensemble des pays. Non, j'ai pas envie de faire un ensemble des pays, moi. Oh, sabre britannique. Yeah! Confirmé, je veux un sable britannique. Moi. Boule, ça, oui, un sable britannique. Allez, j'ai un sabre britannique. Ah, là, ça c'est monsieur Bonnet. Bah, c'est lui. Grimper au sommet d'église, c'est celle-ci? C'est un petit tuto quoi, caché quoi. Ouais. Allez, ping. Ça c'est ce que j'adore dans ce shoot comme tout le monde au final. N'importe quoi, merde. Mais moi je grimpe comme ça dans la vraie vie. Hein. Ça, ça m'ouvre. Coucou, je monte sur. C'est ça l'église ou c'est le truc encore plus haut? Non, ouais, c'est ça, c'est là, c'est le truc tout en haut. Oh, le truc, vous le savez. Merde, l'église. Saute. Putain, mais moi je le fais ça. Ou pas. Bon, je le fais, mais que si je suis bien dans ma tête, quoi. Tu vas aller au truc du corps, où il y a le corbac. Ouais, ouais, j'ai vu. Mais je vais voir si je peux monter tout en haut. Wouah. Il se met debout dessus. Comme un bonhomme. Vas-y, mets la caméra vers le bas. On va voir qu'il vole, je suis quasiment sûr. Ah, comme ça. Attends. Pour voir ses pieds. Non mais pas hein. Il est au début il volait, je me dis oula. Ah ouais, est-ce que tu penses que tu te tues là si tu sautes? Non, j'ai pas été faire de conneries, d'accord. Vas-y, essaie. Oh, je fais de la merde. Oh. Parce que j'ai pas synchronisé en haut en fait. <T'as pas> synchronisé. En fait le but de synchroniser pour les viewers qui connaissent pas le jeu, c'est pour avoir les points sur la map, etc. C'est pour débloquer des zones surtout sur la map, ouais. Bon, le jeu est bien foutu parce que maintenant le mec ne s'accroche vraiment qu'à des prises et tout quoi. Enfin, sur ça, le jeu est bien foutu quoi. Ouais, pourquoi avant ils accrochaient? Bah, à l'époque des Assassin's Creed premiers, le mec s'accrochait un peu sur n'importe quel mur. Enfin, c'était vite fait bizarre quoi. Ouais, j'avoue. Enfin, voilà. Je suis un oiseau. Complètement con ce mec. Il fait le truc le plus dur. Synchroniser c'est rond. Triangle hein. C'est rond. Non c'est triangle. Rond. C'est rond. Bah, parce qu'en plus je suis daltonien aussi. Donc rond, t'as un peu du mal hein. Rond c'est la touche croix de l'époque en fait. C'est la de l'époque. Ok. De l'époque. À l'époque la PlayStation croix c'était action. Ouais c'est vrai. Maintenant c'est devenu. Il y avait une époque où les jeux de voiture. Il y a une baston faut que tu. Ah ouais. Où les jeux de voiture. Et ben tu accélères et croix. Bon maintenant c'est que les gâchettes et tout hein mais faut que tu suives le mec, mais non il est à gauche. Sur la minimap, c'est... T'inquiète. Ouais, je prends rien, c'est de la mort. Ouais. T'es pas un raccourci. Si, je te jure. C'est un rallongé. C'est un rallongé. Ah, gamin. Meurs, Tsukio. Oh là là, le jeu est tellement mal fait. Pourquoi? Mais moi, le mec arrive pas à suivre le gars. Ouais, le jeu est mal fait. C'est de la merde. Non mais en fait les graphismes sont tellement me font mal aux yeux en fait. Ça me brûle les yeux et du coup je fais mal. Il est derrière toi. Alors si jamais on vous vole votre portefeuille ou votre sac, ne demandez pas à Sikio de le rattraper. Le mec fait un détour. À 16. Ah mais please, t'es un gamin. C'est insupportable, il s'accroche partout. Oh mais. Bon, tu sais quoi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'est ouais. Arrêtez. Mais regardez-moi ce gars. Mais ça te baie. Alors. Oh non. Allez, j'ai tout calculé. Bah, sur quoi que j'ai tout calculé? Ah, il pense t'avoir largué, mais pas du tout. Il court encore. Il est à droite. Ouais, je sais. Il l'a vu, je crois. Non, mais on sait jamais. Alors. Et là, il est aussi à droite, voilà. Il a monté les escales. Non, mais il va pas parler en fait. Si, si, t'inquiète. Si, si, t'inquiète, non, pas du tout. Si, si, t'inquiète. Wouh. Je sais exactement quand on est à droite, j'en suis sûr. Ah, yeah, à ta gauche, à ta gauche. Alors, tu vois? À gauche.
Ah mais please. Oh là là, mais ça c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. T'as, en plus c'est la course poussée la plus easy du jeu, je sais pas où c'est. Oh là là. Mais mon gars s'accroche de partout. Et j'appuie que sur une touche, hein. Courir. Parce qu'à chaque fois le mec il t'attend, on voit que ça se fait. Mais non, elle m'attend pas. C'est que je suis fort, c'est tout. Alors. Peut-être un jour là, tu vas. Là, je l'attrape, mec. Hein. Ah, mais là, s'il tourne, t'es baisé. Bah non, trop pas. Non, mais tu vas te faire. C'est bon, je l'attrape là. Ouais, non, normalement, faut l'attraper dans des distraits. Après, pas sûr. T'as vu, là, il court plus vite quand tu t'es rapproché de lui pendant le cours. T'as les galapes là. Vous voyez, tu l'as rattrapé à un certain endroit et après, il va avoir une cinématique. Je le pense. Je crois qu'il a. Son arme. Non, je crois qu'il a volé une meuf. Voilà, là tu vas le rattraper maintenant parce qu'il se passe des trucs et rien non plus. Mais cours! Mais moi je cours plus vite! Des fois! Des fois? Quand j'étais jeune. Et ça tombe, il y a une touche à faire, tu sais. Non, genre, et moi j'attends, je vais pas. Ah bah ouais, je vais essayer touche action. Y'a croix pour sauter, mais je pense que c'est ça. Non, je pense pas que c'est ça non plus. Eh, mais c'est pas possible, sous de ma gueule. C'est. Parce que quand t'étais proche de lui, non, pas du tout en fait. Parce qu'il y avait. Y'a. Attends, je vais voir ce qu'ils disent. Je vais regarder autant qu'ils disent, mais là, on va faire ça. Alors. Oh, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Ah. Ah. Ah, je pensais que c'était ton frère. A droite. Ah, il fait tomber tout le monde, quoi. Toi aussi. Oh, les mecs étaient furieux, là. Ouais. T'as vu? Ouais, ouais. T'as poussé les mecs, ils se sont tués de lever. Ah, je sais comment le battre. Comment? En fait, il faut que j'appuie sur cette touche. Eh bien non. Mais cours vite, cet enfant. Mais jamais fatigué, hein. Mais saute. Oh, ça fout le seum. Allez, 30 mètres dans la vie, maintenant. Oh, je suis rentré dans le mur. On l'a vu. Ce jeu est une merde. Ah, tu veux le surprendre dans les oeufs. Ouais, ouais. Oh merde. Tu es Kev là. Oh non non non. La toile elle tourne à droite. Ah, il va arrêter toi. Il prend pour une tatie, il fait le tour depuis tout à l'heure. Et le pire c'est que le mec il run quand même pour rien parce qu'il sait pas si quelqu'un dessous. S'il veut faire. Allez à moi. Allez vas-y. C'est pas le meilleur. Donc on va faire du Jones Dance hein, aujourd'hui on disait, ouais. N'est-ce pas? Et tu vas me faire tester un jeu aussi? Tu vas me faire tester quoi? Oh. On va te refaire un, le, un coup de... Ouais, moi c'était cool, moi j'ai bien kiffé. On avait vendredi en fait, on avait fait tester, enfin j'avais acheté Don't Starve, pour les gens qui veulent. Exactement. C'est un jeu indé sur Steam qui coûte 12 euros à la base et qui a 4 euros en ce moment. Ok. Et c'est une sorte de... C'était lui là. Ouais, OMG, tu te fous de ma gueule là. J'avais pas vu, moi je continue. Mais il est à côté toi, mec. Ouais, il est à côté. Défonce-le. Oh non, il monte des escaliers. Don't make me chase you into the harbor. Ouais, bien joué. Wouh. Boum. Et reviens ici, vieux Luba. Il est passé à droite, mec, t'as mis un vent. Ouais. Non, il est. Mais tu peux te sauter dessus, moi. Ah, bah il est en dessous, mais pas du tout. T'es, il est reparti de l'autre côté. Ouais, il met des. Mais mon dieu, ça a l'air tellement dur de courir en fait dans le jeu. Non, mais c'est vrai que ce niveau est très difficile à mon avis. Ouais, vraiment, ouais, parce qu'on voit. Je me disais au début, Tsukio est nul. Le dé, tout ça, ouais, non, 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 mais carrément pas. Hein. Alors moi, je vais aller sur l'IRC. Et je suis à 5 mètres. Et je suis à 4 mètres. Ah, oh, bien joué, mec. Regarde ici! Ouais, il couvre la tête! Je vais te couper la tête! Je sors les cuttes et tout là! What? What? Ok, ah, vous vous battez maintenant? Oh! Reviens, bougresse! Attends, c'est.
va okay, mourir dessus. D'accord. Non, le fouilleur. Deux coups. Voilà. Tout ça pour ça. Béni. Par contre, il se passe des trucs, là, il y a des mecs vénères sur la map. Retrouver Steve. Ah oui, les mecs, ils arrivent cache sur moi, donc on peut me casser. Bon, Steve, il est où du coup? Où est Steve? Alors, moi, je me connecte sur l'IRC, hein. Attention, ici, il y a un mec dangereux. Conclusion, il y en a qui ont le talent, d'autres non. Ah, t'es sur l'IRC aussi? Oui. Mais... Donc lui, pour en revenir, donc Star, c'est... vous êtes un petit personnage... En fait, c'est un jeu un peu... Oui, il est terrible. Ouais, c'est un jeu qui a c'est été développé avec un pensement moyen, c'est ça, sûr. Ouais. C'est un 2D... en fait, vous avez comme dans Minecraft le jour et la nuit. Et la nuit, bien sûr, ben, vous mourrez. En fait, la nuit, il faut absolument rien faire, sinon vous mourrez. Parce que la façon dont tu as expliqué, à mon avis, c'est compliqué à comprendre. Oui, non, mais on s'en fout. En gros, c'est juste un survival en 2D et... il y a séquence jour, séquence nuit. La nuit, c'est la merde, il faut avoir du feu, il y a trop de monstres qui rôdent. Et le jour, c'est là où il faut farmer et crafter. Et c'est sympathique, on passe ça après. C'est la nuit. Et sauf que Tsukio aime bien souvent dans des galères bizarres dans Monster, genre se faire courser par des sortes de poules avec un œil. C'est vrai, ça, c'était bizarre ça. En fait, à un moment, dans le jeu. Il voit un monstre avec deux pattes et des gros. Enfin, un seul œil et un bec sur les yeux. Enfin, un truc what the fuck. Il court partout, il arrive à le semer. Et Tsukio se dit non, mais je vais y retourner. Et là, il voit son nid. Et il essaie de lui bouffer son œuf. Et là, t'as la bestiole qui revient vénère et qui tue Tsukio. Waouh, t'es en train de te frapper là? Vas-y, t'es. Donc je vous rappelle les amis, tous les jours on va essayer d'avancer un peu dans l'histoire jusqu'à le finir avec vous, ça serait sympa. Ça prendra. Par contre on va changer, ce jour on le changera quand même... Ouais de temps en temps, oui. On va changer très certainement, au bout d'une semaine on fera... Genre demain, je sais déjà ce qu'on va faire, ce sera autre chose, mais de temps en temps on changera vite fait quoi. Pourquoi j'ai pas les cuts en fait? Histoire que vous savez pas trop la série. Attends, j'essaie d'appeler sur les cuts pour prendre les cuts. Mais... Là faut... Okay. Projeté. Mais tu te bats à main nue là mec, t'as pas tes épées sur toi. Ouais c'est un duel gentil. Non t'as pas d'épée sur toi je crois, non? Ah si tu veux. Mais ah mais regarde t'es dans un carré, faut les pousser en dehors je pense. Non pas du tout, j'ai pas fait. Ah non. Par contre Ok d'accord. Attends, le carré, donc je peux faire celui-là. Il y en a masse qui viennent. Et du coup les amis. Du coup les amis bah, on est en train de me dire sur l'IRC que si on continue à jouer comme on joue, on l'a pas fini dans plus d'un an, on aura toujours pas fini. Ouais, c'est juste le début mais niveau 0 on joue jamais à la console. Genre moi à milieu d'année je suis jamais à la console. Je joue pas du tout à la console quoi. Oula, le jeu est super bien muffé. On dirait le grave de Blitzcrank. Mais tu touches les gens alors que t'es à 10 mètres quoi. Ce jeu est vraiment mal fait. Hein. Avez-vous déjà vu? Graphiquement parlant, c'est vraiment horrible. Oh, oh l'autre s'est envolé quoi. La milice. La milice, y'a. Sors tes épées, à mon avis, là. Ah non, bombe fumigène. C'est avec tes. C'est avec tes flèches, je pense. Par contre, je veux vraiment le faire, ça, lors du challenge. Chaque qui perd dans le bouffer. Franchement. Au bref. Oula, attends. Sur Don't Serve aussi, alors. De quoi? Si tu dures moins longtemps que moi, ben. Tu manges tout pour moi. Alors là, je ne suis pas d'accord. Alors? Non. Bon les amis sur l'IRC, hein, dites-moi ce que vous voulez. Moi je réponds à vos questions sur l'IRC à partir de maintenant. Donc les amis c'est parti, question time pendant près de 10 minutes en même temps qu'on discute et qu'on joue. C'est parti. Alors Hearthstone ça pue, please ne faites pas de stream dessus. Très bien.
Genre, c'est un vieux qui dit ça et ça y est, on va... Bah oui, d'accord, très bonne idée. On te croit, on va... Y en a qui me dit, c'est pas le jeu qui m'a le fait, c'est la PS4 qui rend le jeu dégueulasse. Ouais, ça c'est possible aussi. Enfin, que sur la PS4 Xbox, les premières générations des jeux, au début, c'est... Vous savez qu'il faisait de l'ironie. Ah, trop pas, le jeu est très mal fait, c'est pas du tout de l'ironie. Hein. Je trouve que le jeu est vraiment dégueulasse. C'est pas du tout de l'ironie. Je vais m'aller plus loin, Assassin's Creed 2 sur mon ordinateur est aussi bien fait, peut-être mieux que ce jeu-là. T'as vu qu'il y a des textures qui viennent se... Mais oui, tu me retrouves, MDR, il t'a oublié, t'as sauté dedans, il t'a oublié. Non, quoi. Mais je comprends pas quand il faut sortir de la zone, apparemment. Mais je trouve ça débile, c'est possible. Voilà, je yes, c'est nice. Ça va, une eau pas trop profonde. Par contre, je trouve vraiment que le type de... Ah mais ils sont... En fait, ils sont masses. Ils vont pas être dans l'eau. Non, la dernière fois, ils avaient pas été dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter d'autre? Ah mais sauf que tu suis le port et... D'où ce jeu est dégueulasse. Si, si, il est dégueulasse. Tsukio versus les vieux. Blablabla, hein. Blablabla. Si tu devais donner une note sur 20, combien tu lui donnerais graphiquement parlant? Parce que c'est vrai que je n'ai pas joué longtemps au jeu, donc je peux pas dire. Non, non, mais graphiquement parlant, hein, on parle là. Parce que le jeu, on n'a pas assez joué pour se donner un avis, hein. Peut-être que c'est un bon jeu. Moi, graphiquement parlant, sur 20, en se disant qu'il est sorti. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Ah, tu changes d'habit, c'est quoi? Je sais pas, mais on a fait entre les gardes et on a l'air de me rentrer. Ah, nickel. Sachant que c'est un jeu qui est sorti fin 2013, tout ça, moi graphiquement parlant, sur 20, je lui donne 12. Ouais, pareil. Allez, 13. Je lui donne 12. J'aime quand ça claque. Sorry about the swift accident. Bit of a misunderstanding. C'est moi, il a un nez vraiment horrible. Alors, la configuration graphique du jeu est à fond. Ah bah, je sais pas, il y a des options sur la Play 4, je pense pas. Je pense pas que sur la Play 4, c'est genre option graphisme 1980 fois. Non, c'est pas possible, on est sur une console. Non, mais il y a la résolution et tout hein, sur la PS4. Oui, non, ah oui, non, mais là on est en résolution max. Je pense. Ah oui, je sais. Non, ouais, je sais. Ok, ok. Parce qu'il y a des trucs de résolution. Oui, non, on est en. Et en plus, on passe par un HDMI, donc nous on a une vraie redéfinition, enfin, bah, on voit tout quoi. Et où sont-ils? Combien de temps vont durer les Team Tryhard et Tard? Moi je pense qu'on y a pas, on ne sait pas encore. Hein. Jusqu'à ce qu'ils soient trop tués. Ça dépend, le programme est fort. Les gens kiffent et les gens qui sont dans le programme kiffent aussi. Ouais, il n'y a pas vraiment de. Et ça, je pense pas que ça soit. Ça a été décidé. En fait, parce que. Enfin. Si, c'est peut-être qu'un. Je pense que la limite, c'est la lassitude au final. Ouais, et. Et je veux dire, il n'y a pas une limite en termes de genre, ouais, on aura fini notre mission. Non, c'est jamais fini là. Oui, et oui, vous n'êtes pas genre en mode diamant et. Ouais, même pour les tryhards, hein, s'ils sont diamants, ils continueront. T'as jamais fini. Oui, bien sûr que oui. Le but, c'est d'être premier, mais on n'est jamais premier, donc on saura jamais. Donc, ça, fallait prendre le jeu sur PS5 apparemment. D'accord, bah je vais y penser. Je vais en parler avec Ipsia. Ils ont Masbou, donc ça fait. Yo, OMG, vous êtes déjà en stream ou vous êtes levé tôt? Ah, ça fait pas mal de temps qu'on est levé là pour le coup. Je me suis fait repérer comme un tas. Ah, ouais. 2 heures que je suis debout. Et je peux continuer à run avec ça. Et je vous rappelle les gens qu'on est Tsukio, t'épouse et moi-même, nous sommes sur les réseaux sociaux, donc Facebook et... C'est écrit en chauffant l'autre. Oui, mais on leur rappelle. C'est parfois, d'ailleurs, t'épouse, aujourd'hui, tu fais gagner des RP, il me semble, sur ta page Facebook. Yes. Alors. Exactement, merci de le rappeler, on a mis sur ma page Facebook, vous pouvez je t'ai expliqué sur ma page Facebook. Exactement, sur mon truc aussi, j'ai expliqué. T-A-I-P-O-U-Z. En fait, voilà, vous allez simplement sur... Ouais, Taipouze, facebook.com/Taipouze, donc T-A-I-P-O-U-Z, et aujourd'hui, il va prendre au hasard quelqu'un qui aura partagé son dernier statut expliquant qu'il fait gagner des RP, voilà. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner des RP et en allant partager le statut Facebook et en likant la page Facebook de Taipouze, et à la fois aussi en votant sur la bonne personne pendant le challenge Taipouze. De toute façon, ça, on va en reparler, en rediscuter tout à l'heure. Il va y avoir un générique explicatif en plus de tout. Et après, on va re-expliquer une dernière fois. Mais grosso modo, Taipouze va me... Voilà, Taipouze va me challenge sur un jeu, que ce soit in-game ou hors-game, IRL donc. Et vous allez devoir parier à l'avance qui
vous pensez entre T'épouse et moi, et va s'en sortir vainqueur. Et une personne qui aura voté juste parmi les personnes va être pris au hasard, tout ça, et pourra gagner des RP. Attention, on va vous expliquer ça, on a fait une vidéo et tout pour ça, donc c'est nickel. Exactement, vous expliquez trop bien. Wow. OMG Tsukio, lui, quand tu coupes la parole de Modozo, on lui dit rien. Oh, je sais pas quoi la parole, je crois. Tu m'excuses ? Meurs, Modozo. Bon alors. Ta épouse va avoir 15 milliards de likes en plus, bien évidemment. 800 milliards. J'espère. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se proposer 15 milliards. Ah, bien sûr que oui. Et beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. D'accord, oh. J'aime pas quand vous êtes. Tsukio, tu peux pas comparer un jeu Assassin's Creed 4 avec un Rise ou un Forza 5. Oui, bon, Forza 5, d'accord, je comprends bien, mais. Ou Rise aussi. Mais non, mais. Pourquoi Rise pas? Moi, je trouve qu'il est mal foutu, surtout. Je pense qu'ils auraient pu prendre plus de temps et à le faire, et voilà. Ah, y'a Chelsea qui vient d'arriver dans les bureaux. Franchement, les voix en français, ça rend beaucoup mieux. Aussi. Bon, attends, j'ai une idée. Je Le jeu il est en français ou en anglais là? En anglais. En français? C'est vrai? Mais non. T'es sûr il est en anglais? Ouais, quasiment. C'est en français? Non, mais c'est peut-être sous-titré, mais c'est peut-être en français quand même. Non, mais j'ai entendu en anglais. Parce qu'on me dit que le jeu est dégueulasse en anglais, ouais. Ouais, c'est en anglais. Et pourquoi on est en anglais? Parce que la console est configurée en anglais, je peux. Ah ouais? Et alors, est-ce qu'on peut choisir? Attends, y'a Don't Starve ici, c'est moi? Regarde. Non, mais à gauche. 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 Ah ouais? What? Console édition. Console édition. Faudrait qu'on fasse un tour. Ça doit être immonde. On peut regarder quand même, on prend 5 minutes. Non, ouais, j'avoue, ça doit être trop relou. Ça doit être trop relou à viser avec les. Ouais, pour viser avec les. Oh, OMG, juste quoi. Regarder peut-être, non? Peut-être le même. Ouais, peut-être juste regarder pour curiosité. Hein. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'on va raconter sur l'IRC? Bah là, ils disent Don't Starve. Il faut aller vers les prostituées et les divertir. Et comme ça, les gardes t'oublient. Ah ouais, ça j'aime bien. Il est mis en anglais, OMG. Ouais, on se calme, je sais qu'il est mis en anglais. Si t'aimes pas, tu t'en vas. Bon, après, les gens sont en train d'insulter. Oui, les amis, vous en faites pas, on va faire du Don't Starve tout à l'heure, de toute façon, y a pas de problème. Non, mais le jeu en anglais, en fait, on l'achète en Angleterre, bah oui. Bah ouais, on a un starter anglais. Hein. Parce que la console, elle est en France, elle est en FR, donc... Tsukio veste à épouse au bras de fer, qui gagne? Je pense que c'est Tsukio. Moi, j'ai les bras de bûcheron qui donnent. Moi, je crois pas. Si, on avait fait un une fois. Bah, j'ai ramené deux heures. On avait fait un, et j'avais gagné. Toi contre moi? Ouais, si on avait fait un au Contis, on en avait fait un. Ouais, ah, c'est et, possible. Ouais, ouais, et j'avais gagné, mais vraiment chaud. Genre, t'as la patate de forme, quoi. Y'a qu'une personne contre qui j'ai perdu au bras de fer. C'est Rurk. Et je peux vous avouer que si j'ai perdu, c'est uniquement parce que. Parce que Rurk s'entraîne au bras de fer depuis des années, en fait. Et voilà, donc on peut pas le battre. Mais c'est tout. Oh, j'ai payé des parce que je voulais pas me faire virer. Et donc. Oh, j'ai payé des boules pour rien. Attends. Bah, j'ai recruté les. Ah. J'ai recruté des putes. C'est dans les réglages du jeu et pas de la console pour changer de langue. Non, mais ça m'étonnerait qu'il est dans. Options, dans les options du jeu, si tu peux, ils me disent. C'est sûr et certain, les gars. Apparemment. Ok, c'est ce qu'on va voir. Ah, ouais, mais le jeu en fait. L'arène va rester quand même 2 jours par semaine. L'arène reste 2 jours par semaine, les amis. Bah oui. C'est pas un jeu? Non, c'est deux. Et Sarens. Sarens, j'ai pas envie de faire contre lui, mais je sais pas. Go duel sur DOC. T'es un mec, je crois que c'est bon. Ah ouais? Oh, génie. Et il parle anglais encore, non? Pas assez d'argent. Oh, la déception. Bon. Eh mais ça coûte cher en plus, ça son aide. Je l'ai dépensé tout à l'heure. Eh mais attends, il parle en français là ou pas? Je sais pas. Je crois pas. Il y avait une échelle et tout. Monte l'échelle, monte l'échelle. Je veux pas monter l'échelle. Monte l'échelle, monte l'échelle. Ah mais ils sont mal. Ils sont des millions. Mais monte! Il veut pas monter lui. Bah alors. En gros, nous on était sur l'IRC, voilà, ça fait super plaisir. On a répondu à beaucoup de questions. Encore un tout petit peu, les amis, on répond encore un tout petit peu de questions. Vous êtes beaucoup sur l'IRC pour si tôt le matin, c'est super plaisir en tout cas. Sympa, sympa, sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter d'autre?
Monozo, est-ce que tu peux frapper tes pouces, s'il te plaît, pour qu'il teste ton start sur console. Ah, il parle français, mais comme c'est une île étrangère, il y a des PNJ qui parlent espagnol et tout, on vient de me dire. Moi, les lances don't start. Tape n'existe plus, hein. Tape est littéralement... Tu vois le renvoi. Je vais m'énerver. Voilà. Voilà, je l'ai tapé. Bon, sinon... Pour les viewers, maintenant, vous pouvez me demander de mettre une claque à vos deux heures. Je la ferai, évidemment. Allez, meuf. Alors, vous allez tout certainement entendre un vieux bruit des glaces. Attends, parce que... Alors... Pourquoi ils ont run, déjà? Pourquoi ils run? Apparemment, les gens veulent quand même voir ce que ça donne, donc ça va... C'est vrai que c'est curieux de voir vite fait ce que ça donne. Oui, c'est ça, mais je te demande pas de jouer, mais regardez 5 minutes, 10 minutes sur le truc. Mais ça va vite, je vois. Ah ouais? Ou alors on peut faire ça dans les... C'est horrible. Et quelle heure, hein? Ça c'est... Il reste 10 minutes. Ça c'est dégueulasse. Okay, des cartons. Je mets une patate de forain. Non mais ça, c'est du sable. Ah mais c'est pas bon du tout. Ça a un goût de nourriture pour gerbille. Ah mais ça... les gâteaux là, mais jamais. Oh, merde. C'est vraiment dégoûtant. Non mais croque, faut que tu croques. Le goût qui vient après, largué, on avait de la bouffe pour lapin. Pour la merde. Allez, t'es... Oh putain, ça me brûle la bouche, j'ai l'impression qu'il y a du piment dedans. Vas-y, je veux bien essayer, le tape. Ah mais t'es en course là. Et par contre c'est vrai que ça brûle un peu. Eh mais c'est des gâteaux. Mais la vérité ça... Mais ça pique. Eh mais c'est des gâteaux qui piquent. Mais what the fuck. Mais what the fuck. Mais what the fuck. Ces gâteaux piquent. Mais ça n'existe pas un gâteau qui pique. Ginger. Ouais, ok. C'est des gâteaux à la patate. Ah mais ils arrachent. T'as acheté des gâteaux à la patate. À la patate. Et ils piquent. Bon allez, je pense que c'est oh my god. Prends-le, goûte. All tasty, all some, all biscuits, all bursting. Just natural flavor. Il y a du ginger, du gingembre. They contain an artificial colors and flavor. A fuel of goodness and whole grain, all contain 43 calories per biscuit. Tiens mec. Though they are the perfect little treat of company and cup of tea of coffee. Will help when you need a pick me up. Yeah, shaggy do. Ça a l'air d'être plus les biscuits les plus infâmes du monde. C'est des biscuits piquants à la patate. Bon bah écoutez, on a tout goûté aujourd'hui, hein, des éponges, des biscuits piquants à la patate. Alors. Ah, c'est horrible! Ah, par contre, sur le coup, ils sont vraiment horribles. Ils sont dégueulasses. C'est pour ça qu'on dit que la cuisine anglaise est dégueu. Non, mais pire, ils font des biscuits à la patate. Mais des gâteaux? Mais c'est pas la patate, si. C'est des gâteaux de ninja, apparemment. Ah, c'est au gingembre et tout, on me dit. Oui, mais c'est ce que je te dis. D'accord. Ginger, c'est gingembre. Mais ils sont juste dégueulasses, en fait. Ils sont dégueulasses à ce soir. Donne-les à Zerator son tea time, mais trop. Mais ouais. Ça, c'est sûr. Je vous jure, c'est des gâteaux à la patate. Il y avait des cinématiques ou pas sur le... Ouais. Moins que ça. Mais je sais pas, ouais, peut-être moins, mais il y en a. Play. Alors là, on est en train de tester vite fait pendant 5 minutes, hein, pas plus. Bah, jusqu'à la fin. Donc. On essaye juste pour voir ce que ça donne, le jeu sur console. Ah, pour moi, c'était un jeu, sauf qu'il y aurait peut-être des raccourcis en dessous. Genre, les tu sais, comme j'ai le joystick. Ah, mais ça, c'est sûr déjà, parce que ce serait impossible. Hein, mais... Si je dois sélectionner avec un curseur. Ouais. Quoique, les gens sont tellement teubés que je me rappelle qu'ils ont sorti Age of Empires 2 sur PlayStation 2. Ah, avec le curseur. Avec un curseur qui. Oui, c'est un test. Là, c'est plus. Diablo, par exemple, ils ont fait avec des raccourcis touche. Mais Age of Empires avec des raccourcis, c'est impossible. Ah, bah là, c'est pareil. Ok. Ouais, ça va, ça passe. Ah, regarde, en fait. Là, ça m'impose le jeu quand je choisis quelque chose. Ah, c'est OP, ça. Ah, donc je bouge à le gars comme ça. Il est beau en full screen comme ça. Ok, d'accord. Bon. C'est étonnamment maniable. Étonnamment, c'est maniable. Eh, je suis plutôt surpris, agréablement surpris. Je dois avouer que le jeu se joue. Est-ce que tu veux le faire après sur console? Mais... Je sais pas. Je pense qu'il est... J'ai l'impression qu'il est plus beau. Mais... C'est possible, hein, parce que si c'est une version rééditée exprès pour être affichée sur du 1080p, blablabla, c'est possible. Ouais.
Enfin, qu'ils prennent les brindilles pour te faire ouais, du bois. Ouais, c'est des plus beaux. Il faut des cailloux là, non? Pour faire des armes. Des, Bah, d'abord, faut faire une hache. Et donc là, en fait, voilà. Je fais ça. Ok, d'accord. Bon, c'est la merde quand même, je pense. Enfin, ah, regarde. Quand je m'approche quelque chose, il s'illumine. Je suis pas sûr que ça y soit dans l'autre version, ça. Le jeu est vachement maniable. Tu peux te faire une hache? Si je peux, mais là on va vous mettre 4 minutes de pause, ouais, amis. Ouais. Voilà, c'est juste pour tester vite fait le jeu. Oui. On va agréablement surpris, les amis. On vous met 4 minutes de pause avec Taipou. Je vous rappelle qu'il peut faire gagner des RP sur son Facebook. Et Molozor, qui je vous rappelle est joli. Le truc n'a rien à voir. on va se retrouver sur Don't Starve. On va se retrouver sur Don't Starve juste après, mais sur PC. Ne vous en faites pas, les amis. Ce sera donc le petit challenge. Enfin, le petit challenge, même pas au final, mais ce sera la petite pseudo-découverte. Puisque la dernière fois, on a vite fait jouer dessus avec Molozor. On se retrouve tout de suite, on est dans What's Up Geek, la matinale d'Eclipsia, tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h à midi. A tout de suite.